Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue sur cette vidéo qui vous résumera les grands axes des nouveautés de l'extension écologie sur les Sims 4. Tout d'abord, la map Evergreen Harbor est constituée de trois quartiers. Port Promise en bas qui est un port industriel plutôt pollué. Green Carry, un quartier résidentiel au bord d'une ancienne carrière de marbre. Et Conifer Station, le quartier de la voie ferrée résidentielle lui aussi. Sur cette map, il y a 11 lots ainsi que 2 immeubles contenant 2 appartements chacun situés dans les quartiers résidentiels. Vous n'êtes plus obligé d'avoir vie citadine pour pouvoir vivre en appartement. Petit tour d'horizon des quartiers. J'ai volontairement pas traduit le nom des quartiers puisque je ne sais pas du tout à quoi peuvent ressembler leurs noms en français. Les espaces communautaires, c'est un nouveau type de terrain que vous pouvez mettre dans tous les mondes que vous voulez. On peut les transformer en ce qu'on veut. En tant que jardin communautaire, espace de créateurs, des fabricants, ou encore un marché de fabricants. Pour cela, il faut voter à l'aide du panneau présent sur le terrain. Plus vous avez d'influence, plus vous marquerez de points. Et le lot se transformera dans ce qui a été le plus voté. On voit bien dans le mode construction. Et là, il va cliquer sur le marketplace, donc marché des fabricants, et ça va se transformer automatiquement. Et aussi, ça peut être un jardin communautaire. Ah, ces barrières sont tellement belles. Ou le dernier. C'est un espace pour créer. Les plans d'action du voisinage fonctionneront également comme les terrains communautaires. Décider du style de vie de vous et vos voisins, c'est possible. L'amour libre, la communauté des jus, le recyclage, le partage, c'est vous qui voyez. Plusieurs propositions seront éligibles par vous et vos voisins sur le panneau d'affichage du quartier. Il faudra voter au fur et à mesure, vos voisins voteront eux aussi et le plan d'action qui aura le plus de votes gagnera donc. Pour cela, il faut avoir des points d'influence et les points d'influence gagneront selon vos actions auprès de vos voisins et de la communauté. Passons maintenant aux machines révolutionnaires. Enfin, on pourra fabriquer les bougies. 3 formes différentes, de couleurs différentes. Il faudra aussi trouver les ingrédients secrets pour en fabriquer certaines. Les bougies fondent, mais on peut aussi les empêcher de fondre. En fait, quand vous les fabriquez, attention à vos doigts. La création d'objets, une nouvelle carrière indépendante sera disponible où on sélectionnera une mission, on fabriquera l'objet qui se retrouvera automatiquement dans notre inventaire du foyer et qu'il faudra renvoyer au client. Sachant que vous pourrez également construire des choses pour vous et votre foyer. Donc ça c'est les différentes missions de la carrière. Et fabriquer par exemple un tapis, des tables, etc.
Le tout dans sur une machine vraiment très futuriste. Le recyclage. Cette fabuleuse machine à recycler marchera pour tous les objets, même ces fameux trophées My Sims dont personne ne fait collection. Ça vous donnera du matériel pour construire tout un éventail de meubles simples mais écolo. Voici un éventail de meubles donc à fabriquer. Ils sont un peu tous la même couleur, mais au moins on restera dans les mêmes tons. Il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui est cool. Il y a aussi d'autres couleurs à fabriquer et ce sera à nous de trouver les ingrédients pour certains éléments. Il faudra chercher. Et dans les bennes à ordures, il y aura aussi quelques trouvailles à faire. Et c'est parti pour une nouvelle collection. Maintenant, passons à quelques coups d'œil sur les meubles et les éléments du mode construction et achat. Bon, moi j'adore déjà certains objets. Est-ce que vous, vous en avez repéré? Regardez-moi ces belles plantes. Regardez-moi ces panneaux remplis de plantes. Ah, quel bonheur. Je sens que vous allez beaucoup les voir. Il y a aussi un nouveau... C'est pas une cheminée, c'est un poêle. Hein, vraiment un poêle au gaz. Donc c'est vraiment un type industriel vraiment parfait, quoi. Beaucoup cette décoration murale également. Nous avons ici des nouveaux meubles de salle de bain, toujours un peu rapiécés et surtout hyper modernes, je trouve. Et pour finir, coup d'œil sur les aimants du Create Sim, créer un Sims avec les vêtements et les coiffures dans pour les femmes, enfants, bambins, mais aussi les hommes. Les vêtements sont surtout catégorisés selon deux styles, qui sont plutôt le mode rapiécé, do it yourself, et le mode chic. Et moi j'ai quand même repéré quelques vêtements et coiffures ultra sympas, et ce... pour tout le monde.
À tout ça pourront être ajoutées une nouvelle aspiration ainsi que 4 traits pour nos Sims. On aura vraiment de quoi faire. Tout tourne évidemment autour du recyclage, de la vie verte et de l'écologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à l'achat ou non de ce pack. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'infos et pour avoir des vidéos de la découverte en avant-première de ce pack. À très bientôt. Ciao.